C'est ici qu'on se 43 aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur Dead Island Riptide. J'ai juste un truc à faire avant. Non, c'est bon. Donc, on est sur Dead Island Riptide et j'ai deux nouvelles armes. Le katana choc, enfin choc, c'est-à-dire c'est comme les griffes, avec le mode électrique. Et les nouveaux points américains à pic déchirant, ce qui va me permettre d'être beaucoup plus puissant dans mes attaques maintenant. Bon, ils sont complètement améliorés à fond, hein, je vous le dis, mais bon. Donc... quel est l'objectif de ce jour? C'est de... parce que j'ai déjà parlé à l'autre, mais en gros, tout simplement, il m'a dit d'aller trouver le lieu du crash de l'hélicoptère après avoir parlé à Trevor. On avait déjà parlé à Trevor, normalement, dans le précédent épisode. Une musique qui s'excite pour une raison qui m'est totalement obscure. Connue. Donc, il se trouve où sur la carte à peu près? À l'autre, ce qui est vachement pratique parce que il n'y a même pas de voiture. Bon bah on va descendre et puis on va bien voir les amis, hein. On va bien voir. Donc, précédent épisode, Hardy était mort. En montant sur l'hélicoptère, il s'est pris quelques petites balles. Enfin bon, on va pas pleurer parce que c'était pas un mec que j'affectionnais particulièrement, je vous avoue. Donc bon, on verra bien comment ça va se passer. Putain, faut encore que je passe par ici. Je check un peu sur le côté. Si je passe tout droit, que je descends là, je vais aller sur un autre côté de la ville et c'est pas ce que je veux. Il faudrait que je puisse descendre par là en fait. Et le problème étant qu'il faut que je remonte, j'ai fort l'impression. Ou si je passe par là, on est d'accord que je change pas de côté de la ville. Non, ça va alors. Tout va bien alors. Moi qui croyais que... tiens, mon katana de la Morea. Putain. Ça fait extrêmement bizarre parce que... j'ai l'habitude, enfin maintenant, de jouer avec Sambi parce que Balou a acheté le jeu. Et du coup, bah, j'ai joué avec lui et j'ai pris Sambi parce qu'il avait déjà pris John. J'aurais bien voulu rejouer John, hein, je vous avoue, parce que c'est un personnage que j'aime bien. Et Sambi, beaucoup moins cheaté, je me rends compte que mon autre personnage est vachement cheaté. Et que... non. Et qu'il est vraiment pété. Et que mon katana, il l'est vraiment aussi. Et donc, du coup, c'est pas grave parce que moi, j'aime beaucoup John. John McCain, McClane, voilà, il meurt, ils font pas le malin avec moi. Bon, faut qu'on continue jusque là. Putain, les zombies comme ça, je peux pas leur faire confiance. Non, ici il y a un gros zombie. En l'occurrence, il n'y est pas. Je me souviens qu'il avait respawn à un moment donné, mais bon, s'il est pas, je sais pas. Pas cracher dessus. Par contre, ça sent la schneck, hein. Ça sent pas bon du tout. Alors. Oh putain, il y a des zombies de partout. On va dire qu'ils m'ont pas vu. C'est quoi ça? Recule. Je vous ne passerai pas. Oh d'accord, oh non, oh non. Oh non! Oh non! Tu ne passeras pas! Oh la tête! Putain mais... aïe aïe aïe! Sans déconner, mais quoi? Putain, c'est pété les hurleurs, hein. Sans déconner. Ah. Stay the fuck down. T'as entendu? Stay the fuck down. Voilà. T'as remboursé mon pognon, quoi. Rembourser l'argent des abonnés. Alors attendez. Faut que je descende. Est-ce que c'est le bon endroit? J'en ai aucune foutre couille idée. Comme dirait l'otaré. Gollum.
La zone de quarantaine, très mauvaise idée. Parce que là, c'est pas là que je dois aller. Je m'en doutais, hein, je vous l'avais dit que c'était pas là que je devais aller. Hein, je vous l'avais pas dit? Non, c'est vrai, je vous l'avais pas dit. Et voilà, je vous l'avais dit. Port. Faut aller au niveau du port. J'en ai aucune foutre couille idée, comme dirait. Non! Est-ce qu'on peut passer par au-dessus? De toute façon, à mon avis, la zone de quarantaine, on est obligé d'y passer à travers. Hein. Si vous voulez mon avis, que vous vous en foutez, à vrai dire. Nicolas! Pardon. Hop, on descend. Hop, on descend. Et on continue, tout simplement. Alors... Legolas, on court, parce que personne ne peut nous suivre. Chronos, grimpe. Chronos, tu ne fais pas le con, tu grimpes et tu ne fais pas chier, s'il te plaît. Chronos, d'accord? Oh! Oh oui! This is useful. Ça vaut la pâtée, ça! Ailleurs. Bon, c'est ça, ils m'ont tous vu. Bim. Ah, il faut te toucher dans le cerveau là. Mais tu peux gueuler toutes les forces que tu veux. Je ne descendrai pas tant que tu ne seras pas mort. Oh putain. J'ai failli descendre tant que tu n'étais pas mort. Voilà. Je vais descendre désormais. Puisque bah, ça me semble relativement safe. Non. Ça vaut pas le coup. Oh, je vais le balancer en pleine gueule. Ah ouais, mais ça va être dur. Si je... Il est juste en dessous. Vous pensez que je peux là? Ouais, je peux. C'est complètement illogique en soi, mais... On continue d'avancer! On boit un petit coup. Ça sent pas bon du tout. Owen. Bonjour Owen. Arme jetable. Ah, désolé mec. Ça m'intéresse pas les armes jetables. Par contre, je vais lui vendre des trucs. Je vais te vendre beaucoup de trucs. Voilà. J'ai quelques trucs à te vendre de ce style-là, tu vois. Et une belle aussi, parce que j'ai trouvé devant ta maison. Et puis ça. Au revoir, Owen. See you soon. Téléphone sans fil. Putain, deux téléphones dans les poubelles. Deodorone. Stay the fuck down. Voilà, j'ai parlé anglais avec l'accent anglais. Un vieux gaulois. T'es pas mort. Legolas. Oh, lui, je l'ai séché tout shot, quoi. Vol. Stay the... Il est mort, d'accord. Enfin, il est mort électrocuté. J'ai juste envie de m'énerver un petit coup. Vous allez très vite comprendre ce qui va se passer. Voilà. Oh, ce qui s'est passé. Voilà. C'est ça qui... Ah, la violence, quoi. Je crois que le mec, il a pas dû comprendre. Par contre, c'est vachement utile. Hein. Des munitions de carabine, je prends. Petite. Ah ouais, c'est un petit chargeur, quoi. Niveau 1, ouais, ça va, c'est pas intéressant. C'est pas intéressant, c'est pas intéressant. Attendez, parce que du coup, j'ai buté elle, mais généralement, donne des trucs. Voilà, 1000... Voilà, je suis remboursé mon pognon que j'ai perdu avec tout le connerie. Avance un peu, s'il te plaît, mec. Il y a un fil au sol qui va pas te gêner du tout. Regarde à quoi ça sert de monter là-haut, mais...
Oh, on verra bien. On trouve pas toujours des explications à ce qu'on veut, mais bon. C'est pas bien grave. On va pardonner ça. Alors là, j'ai vu le mode. Hop. Merde. Ça va, il arrive à balancer un moteur de hyper haut. Bloody Mary. Oh. L'achète. Alors. Oh, magasin d'armes. Ou je sais pas trop. Ouais, je vais te la revendre, cet objet. Une bouteille d'eau, pourquoi pas. Puis y a rien dans ta caisse. Putain, t'es con. Carte postale, ouais, on sait jamais. Une arme circulaire, pour te souvenir. Ah, intéressant. C'est quoi, c'est une tige en acier, pourquoi pas. On ouvre une clé, de la viande, pourquoi pas. Pourquoi pas, après tout. Composant électronique, pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas. J'aimerais te vendre quelques... Sa mère, fusil de précision simple lest. Oh. Honnêtement, ça me plairait beaucoup plus qu'un petit fusil d'assaut. Je vais l'acheter, même s'il coûte un bras. Hein. Parce que là, pour le coup, amélioré, il doit faire des DPS. Tout on va le garder et on va vendre ça. Ça va? Et je veux voir c'est quoi le mode Bloody Mary. Bloody Mary. Ah, c'est pour les matraques. Merde. Je suis un peu deg là. Merci. Avec deux. Ouais, c'est vrai que par contre tu déconnes un peu maintenant. Connard. Pas par ici que je dois aller. Au revoir. Je veux dire au revoir. C'est pas grave. Autant un zombie. Lui, je sais pas à quoi il sert, mais lui il est mort. Merde. Oui. You can jump a fly by the way. Legolas. Legolas. C'est quoi ça? Oh putain, c'est une zone morte. Bon, les zones mortes, c'est... Bon, allez, on se fait les zones mortes, les gars. Je fais la zone morte pour vous. Allez, c'est parti. Je sens que ça va être chaud, hein. Hein, je vous le dis, hein. Moi, si je vois un boss, je sais qu'est-ce que j'ai comme arme. Je sens que je vais mourir au moins une fois. Parce qu'il y a des erreurs qui ont été commises. Par la loi de la Convention de Genève. What have we here? Petite ambiance, attention. You shall not pass. Bon, pourquoi pas. On se calme. On se calme. Vas-y, viens. Alors, on se calme ou pas? Ça vaut le coup de se calmer, hein. Alors, toi aussi, tu trouves que ça vaut le coup de se calmer, désormais. Voilà, on déconne pas avec Chronos 83. Mais la musique, putain, je sens soit derrière. Voilà, il faut les tuer, ces zombies, là. Bon, est-ce que je vais y arriver? Putain, merde. Hop. Putain. Oh là là. Chaud quand même, hein.
Et petit mini freeze de temps en temps parce que bah c'est action comme d'hab. C'est vrai qu'on utilise ça pour Borderlands, je crois. Et moi je connaissais ça pour Borderlands, enfin. C'est dommage qu'action soit comme ça. C'est des petits freeze de temps à autre. Hein. Pas de très folichon. Petite musique. La musique. Oui, la musique. Pardon. Merde. Alors. Oh putain. Oh putain. Putain. Oh sa mère, ce qui m'a mis. Oh les gars, j'ai rien vu passer là. J'ai absolument rien vu passer. Attendez. Faut que je prenne un truc là. Oh la vache. Oh, ça l'a même pas achevé. Alors, putain, crève. Vous savez, je vous l'avais pas dit que j'allais mourir au moins une seule fois. Putain la vache. J'aime pas ce genre de trucs là. Ils sont horribles quoi. Oh, on chope tout hein. Enfin sauf ça. On va repartir les mains vides, hein, ça c'est clair. Ça quoi, sans déconner. Oh la vache quoi. Ce qu'ils m'ont mis. Ah bah alors là c'était chaud. Hein. Le mec, j'avais beau courir, je savais pas où est-ce qu'il était quoi. Bon. Wow. On a une arme qui coûte 1000 à vendre, il nous a fait juste faire perdre 1500, puis on a eu quelques trucs, hein. C'est bon, c'est pas là. Pour le moment c'est pas l'argent qui manque le plus. Hein. Même si pour réparer mon kata de temps en temps. Ce qui est le plus simple, ouais, les petits zombies, j'ai tout shot, three shot, pas de soucis. Bon. Voilà, on retourne à la quête quand même. Aïe. Mon électricité qui me tue à chaque fois. Bon, on est arrivé. Petite île, une presqu'île. Très petite île. Putain, un îlot, presque îlot, voilà on va dire. Aïe 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 aïe. Bon, on va soigner. Hop. Hop. Voilà. Chop is destroyed. I'm gonna look for supplies. Merde, mais pas vu. No sign of Serco. And one of the pilots is missing as well. Ouais, à mon avis, ils sont barrés, ils sont pas morts. Je ne mourrai pas sous tes joues. Tu ne me tueras pas. Oh putain. T'as failli me tuer. Ouf, il est costaud lui, il attaque très vite. Hein.
le dévoreur de chair. Alors, ça fait quoi de se prendre des coups de babouche dans la tête? Ouf, putain, vache. T'as un souci? Si t'as un souci, on peut le régler. On va t'avoir. On va t'avoir. Petit coup de boule. T'as raté. Parce que t'es deg. Pourquoi tu me fais des coups de boule? T'as rien d'autre. T'as rien d'autre. Allez, vas-y. Ils sont où les petites couronnesses là? Bah alors, on saigne. Tac. Boum. Voilà, c'est comme ça qu'on fait. Bon, l'hélico maintenant. Crochetage niveau 3. J'ai l'impression que c'est des blagues. Petite blagounette. Fichier secret. D'abord, je vais réparer mon katana parce que visiblement, ils me disent que... Oh putain, il faut aller en haut. Ben, c'est haut, hein. Non, en fait, il fallait peut-être pas aller en haut. Ouais, non, je le réparerai plus tard. Hein. J'utiliserai mon fondoir ou quoi. Là, on se consacre un peu à la quête. Got eyes and some tracks. I'll let you know what I find. That's it. Ah, petit point de compétence. Où est-ce qu'on va l'attribuer? Ça, je m'en souviens. Ça se fait mal. Hein. Hop. Cave sous le fort. Encore une zone morte. On va y aller, les amis. C'est bientôt la fin de ce let's play en plus de ça, donc. Déjà que Wolfenstein est terminé de mon côté, j'ai terminé de le tourner. Pour vous, la publication doit être. Peut-être déjà faite, j'en ai aucune idée, à vrai dire. Inferno fusil. Il y en a derrière. Ça fait très médiéval. Enfin, à moitié en tout cas. J'aime bien. Petite ambiance. À chaque fois par contre qu'on est sous terre, les petits bugs de mur là, c'est horrible. Need to look for another way in. J'ai un lance-roquette. Étage inférieur. Monter, hein, ouais. Ah, bah voilà. Boom, bitch. Get out of it, bitch. J'ai vu quelqu'un au bout. Je sens qu'ils vont me faire chier après. Oh lui la tête. Bon, ça prend un peu le fendoir tout de même. Viens là que je te découpe en rondelles. Boum. Voilà, je t'ai découpé en rondelles comme promis. Bon, rebond des oufs. Ça me va. Boum. Bah, je m'en doutais que je devrais passer par là. Ah voilà. Il est pas mort. Non non mais t'inquiète, je vais pas tirer dedans, je suis pas fou non plus. Hein. Surtout pas lance-roquette. T'imagines une... La roquette juste pour ça. Là. Que pouic, c'est abusé. Alors, on continue d'avancer. Là, il va falloir défoncer une porte, non? Non. Ça
passer par là. Allez, je te découpe en rondelles. Bon, on va commencer à rentrer là-dedans. Il va y avoir du monde ici, non? Niveau 50. Hop. Reste seul, mon pote. Je t'aime bien, mais bon, j'ai pas envie de te buter. Enfin, pardon. C'était un mensonge. Découpage de crâne. On voit que quick, comme d'hab. Kit de secours. Faudra vraiment que j'augmente le truc level 3. Quand j'y penserai. Fucking hell, this place is a bloody maze. Putain, les petits freeze comme ça là, action. Et là, tu vois, il passe de, derrière moi avec le petit. Voilà. Le petit freeze. Boum. Là, je l'ai one shot avec ça, quoi. Vous ne passerez pas. Toujours aussi efficace, hein. Ah, c'est ça. Hop. Le griffe choc, ça va aller vite. Hop, hop. Voilà. Hop, 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 hop. Hop hop. Boum, patate. Patate. Bah voilà. C'était toujours aussi simple. Ça m'irait. C'est... J'aime beaucoup l'environnement ici, ça. C'est sympa. Putain, avec que des kits de secours moyens, je les aime pas trop ceux-là. Étage inférieur. Oh, bah, que pouic encore. En mode. Rasoir. Quoi? Okay, j'avais des fusils éclairants dans mes mains. Je sais pas. À quoi ça aurait pu bien servir, à vrai dire. Mais... Merde. Putain, t'imagines, il tire instantanément. Là, j'étais mort. Tout ça parce que ça sent pas bon là. Qu'il y a personne. De toute façon, s'ils sont descendus par là et que ce ne sont pas des zombies, ils... Ok, c'est à l'intérieur. Ici, là. Oula. Where's Frank Serpo? I don't know. We crashed and those things were all around us. How did you get here? Did he bring you? What? Fuck no. That bastard doesn't think about anyone but himself. He was half a year before I even got out of the wreckage. He shot the other pilot, left him behind to distract the infected. I barely made it. Fuck, listen to me. When you find him, you kill him. Understand? Kill him. T'inquiète pas. Damn you, Serpo. Allez, on ouvre. On y va. Serpo.
pas où est-ce qu'il va bien aller lui. Ah merde, c'est une bouteille. Van der Cern. Puis on va pas tarder à se quitter, hein. Donc Serpo a fait le con. Il continue de faire le con de façon depuis le début, ça se voit. Alors. Faut aller là-bas. Oups. On y va. Nous y allons. Nous allons débuter. Un petit saut. Genre sur les quais, ça doit. Ça, je prends un peu de dégâts. Non, même pas. Ouais, il faut que je répare ici. Where is it? Volcan carabine. Alors, vu que j'ai mon fusil de précision, que d'ailleurs je vais m'équiper, je vais m'empresser d'équiper mon fusil de précision intergalactique standard, une balle par une balle. Je vais juste réparer, à vrai dire, mes armes. Voilà, quelques munitions de carabine au cas où si j'ai besoin de prendre ma carabine. Et mon sniper. Je fais beaucoup de dégâts, mon sniper. J'espère. You fucked us all. You know that, right? You killed Hardy, which makes you a dead man walking, mate. Fucking dead man walking. Oh please. You're worried about that fucking idiot. Jesus Christ. Listen. Better him than you, am I right? You use me like a lab rat, Serpo! A fucking lab rat! Take a look around. Do you really think this shit is gonna sort itself out? Jesus, it's all on the line, you understand? All of it! You're calling for another chopper, you understand? Because if you don't, your ass is dead! Another chopper? You fucking kidding me? You don't have a fucking clue what's really happening here, do you? Goodbye, Serpo. Just take a look at yourself. The rage. Fury, it's building up inside you. Attends, et le mec il nous recule, t'es pas droit, t'es pas control, content. It? Yeah, and worst of all, it's always there, waiting to come out. Even if you do manage to escape, then what? How do you know what's happening to me? Harlow, it's the same as you. You didn't know that, did you? Yeah. She went to the quarantine zone. Was planning on using a boat to escape. Get away with what? She was gonna turn that info over to the WHO. Blow the lid off this place. The World Health Organization? Really? Look, she is nothing more than a garden variety fucking terrorist. She was gonna take the virus. And she was gonna take the vaccine, sell it to whoever backed a truckload of money up to her. There's a vaccine? Where is it? She's got it. And if you want it, you're gonna have to go and get it. She's not gonna give it up willingly, though. Huh. I can guarantee you putain. That. Yeah, it's worth a shitload of money to her. You're gonna have to kill her. We'll settle up sooner or later, Serpo. You have my word on that. Cerber. Merde. Hey, I'm at the fort. Looks like a great place to hide out. Come on over. Rencontrer Serpo. Ok, Arlo. Et Arlo est où? Or are we just wading right into this shit, sight unseen? Thanks, Tiens. Friend. I mean it. C'est pas tant que ça sécurisé ici, hein. Certes, on est en hauteur, ça peut tout gérer, mais bon. We should wait here. Do you have it? Pour des trucs, non. I'd
don't know what to do. The quarantine zone. Lord protect us. D'accord. Eh bien, les amis. Ah oui, si, en fait, ça va, c'est relativement bien protégé ici. Merci d'avoir regardé cet épisode. On se retrouvera pour le prochain épisode afin de, bah, de découvrir ce qui se passe réellement avec Arlo, parce que bah, ça pose un sacré souci. Les quêtes secondaires, je les ferai en off, comme d'hab, je vous l'ai dit, les missions principales, je les fais de mon côté. Ah, bombe électrique, avec plaisir. Équipe, parce que Logan, il me semble qu'il est à fond. Niveau arme, vous voyez, à fond. Elle presque à fond. Nouvelle quête disponible, mais je peux pas les prendre. Pourquoi je peux pas prendre? Ah. Ouais, tu veux ça peut-être, hein. Ouais. Est-ce qu'il y en a une qui. En bas, visiblement, il y a une quête qui peut être accomplie. What do we do with the drunken sail? I've been such a fool. Oh. We should wait here. Now that we have absolutely not. If Serpo won this game, why? Ils veulent quoi en fait? Sambi qui veut quoi? Ça me dit rien. Attendez, ça va être enquête. 3 semi-conducteurs, 3 circuits imprimés à Trevor. Il me semble que j'en avais pourtant. Sûr qu'imprimé. 3 raccords de gaz à Sambi. 3 tuyaux en titane. Et il me semble que les tuyaux en titane, j'en ai pas. Enfin, j'en ai pas beaucoup. Je crois que j'en ai un ou deux. On sent bleu normalement. Tuyau titane, tuyau titane. Ah, j'en ai qu'un. Raccord de gaz, semi-conducteur. Ah, ouais, d'accord. Et j'ai 2 circuits imprimés. Ah, on manque un. D'accord, bah merci les amis d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à laisser un petit pouce vert. Je vous dis à bientôt. Bye. Et à la prochaine. Big Game Hunter. La chasse aux vies, aux paysans. Villageois, je vais dire. Oh, yeah.